Bien, merci. À mon tour de vous exposer des travaux concernant des feux. Alors, on va parler toujours du quaternaire, plutôt du quaternaire récent, avec des événements qui se déroulent à la, je dirais, à la fin du Pléistocène, dans une période qu'on appelle le tardiglaciaire, et puis après, bien entendu, l'Holocène, la période post-glaciaire. Alors, c'est un exposé qui va nous entraîner principalement aux États-Unis, qui fait en fait suite à un séjour que j'ai fait dans un laboratoire, laboratoire de Bozeman dans le Montana, chez Casey Whitlock, là, qui est co-autrice de cette communication en 2013. Et donc, chez des paléoécologues, palynologues, qui travaille principalement sur le Yellowstone. Donc, on va beaucoup parler du Yellowstone parmi les exemples d'application. Je voulais aussi préciser que cet exposé, il est vraiment enrichi de pas mal de diapositives que m'a fournies Virginia Iglesias, qui est actuellement chercheur à Boulder, à l'Université du Colorado. Aux US. Bref, alors pour commencer, je prends l'exemple d'un feu, le Wellow Fire, qui s'est déroulé le 29 mai 2011 aux confins de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Il a brûlé pendant tout le mois de juin jusqu'au début juillet. Et en fait, il a été déclenché par deux campeurs, hein, qui séjournaient dans les montagnes en question. Et puis, il a concerné quand même pas mal, près de 228 000 hectares. Et si je cite cet exemple-là, c'est pour vous citer en fait les conditions météorologiques qui président au déclenchement et puis à la progression de ce feu. Hein, donc on voit sur cette diapo les conditions d'humidité de cette période. Donc c'est très peu humide, l'air est chaud, donc très peu de précipitations et puis le vent est élevé. Donc c'est vraiment, je dirais, des conditions idéales évidemment pour la progression, pour la progression, enfin, le déclenchement et la progression des feux, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs de toute façon. Alors, on étudie les paléo-incendies à l'échelle mondiale. Il y a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces phénomènes. Là, on a référencé les grands feux à l'échelle mondiale dans une database là, sur les Global Charcoal. Et vous voyez, sur les 22 derniers milliers d'années. On ne parle plus en millions d'années, là, mais en milliers d'années. Donc, 22 derniers milliers d'années, et on voyait qu'à l'échelle du globe, eh ben, finalement, il y a des feux un peu partout dans le monde. Du moins, on en étudie aussi un petit peu partout dans le monde. Donc le feu, bah, c'est reconnu comme un processus écologique important, hein, en raison de son influence sur la distribution des espèces. Son rôle dans le façonnement des écosystèmes et bien sûr des paysages. Donc, la manière de reconstituer ces événements, ben c'est vraiment aller chercher Allô des. Yannick, Pardon, ça oui, va? des données historiques. Ça va, vous m'entendez? Oui. Ouais, moi aussi Oui, j'ai Guillaume, rien. est-ce que tu pourrais couper ton micro, Est-ce s'il qu'il y te avait eu plaît? le résultat du Guillaume! doodle? C'est ça. C'est effectivement Guillaume. maintenant, mais Allô, j'ai pas allô. eu de. Mais j'ai déjà écrit en disant, est-ce qu'on a besoin de faire une réunion? Allô, Guillaume. L'administrateur peut couper le À micro. mon avis, non. En fait, moi, j'ai déjà soumis le Ouais. budget et on a payé, on a L'administrateur couvert les opère. frais. Donc, Ouais, d'accord. Alors, il n'y a on pas moi, je de. t'attends un petit peu. Hein, okay. Voilà, ça a l'air d'être. Hervé, c'est toi qui dois être administrateur. Ça doit être clair maintenant. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus. Ça va, il n'y a plus Oui. d'interférence. OK? Alors, Guillaume, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît?
Bon, c'est bon? Ah oui. En fait, je sais pas pourquoi ils étaient. Ils devraient être contents. Bon, voilà. Voilà, ça doit être bon. Ça doit être bon. OK. Désolé. Voilà, merci, merci. Bon, j'en étais à vous dire que le feu, oui, c'était important d'un point de vue écologique et que on pouvait trouver des restes finalement des charbons de bois, hein, tout simplement, dans beaucoup d'archives sédimentaires, hein, dans des sols minéraux, des tourbières, évidemment, on pense aussi aux carottes de glace, pardon. Hein, mais aussi, on peut suivre des feux plus récents avec les observations satellitaires. On a aussi des données historiques qui traitent de tout ça. Donc, c'est finalement toutes ces archives qui sont utilisées pour constituer ce type de carte qu'on est en train de voir à l'écran. On va voir que ben, il y a des variations dans le temps quand même, hein, de ces feux. Si on part ici du haut des périodes les plus anciennes, on est autour de 20 000 ans. On est en fait au maximum froid du dernier glaciaire. Donc là, finalement, on a assez peu de feux dans le monde de répertoriés. Et puis vous voyez ici, on est entre 6 et 5 000 ans avant nous, et là on voit une période assez riche en feu. C'est encore vrai finalement sur les 5 derniers siècles, hein, comme on le voit dans le bas de l'écran. En termes de combustion de la biomasse, on voit ici des courbes qui sont construites toujours sur ces 22 derniers millénaires, et on voit où que l'on soit finalement dans le monde une progression de ces feux et donc de cette combustion de la biomasse également. Si on prend cette fois-ci une échelle un petit peu plus réduite au niveau des 3 derniers millénaires, eh bien, vous voyez là que finalement, autour de il y a quelques décennies, on a vraiment des feux qui s'emballent un peu au niveau de la combustion de la biomasse ici. Alors, faisons maintenant un zoom sur les États-Unis, avec ici les occurrences des incendies. Alors, on prend les incendies majeurs, hein, de forêt aux États-Unis de 84 à 2016. Alors, dans ces incendies majeurs, on a ici répertorié des feux supérieurs à 400 hectares dans l'ouest des États-Unis et supérieurs à 500 hectares dans l'Est. Vous voyez, à peu près, c'est de cet ordre-là, pardon, entre 84 et 2016. Et on voit que l'Ouest américain est quand même plutôt plus affecté par les feux que ne l'est la partie plus atlantique. Sur ce graphique encore, on voit la combustion, la taille des feux, pardon, ça c'est la taille des feux, et on voit que la fréquence des incendies de forêt et la surface brûlée est en augmentation au cours des 2 dernières décennies aux États-Unis, ben aussi comme ailleurs dans le monde. Voilà. Ça, en fait, on l'a déjà vu précédemment. Alors, pour interpréter un petit peu ces phénomènes, et puis en fait, à partir des données
paléo qu'on a et des restes de charbon de bois qu'on a, eh bien, on fait des référentiels, on établit des référentiels. Là, par exemple, on est sur de la forêt boréale canadienne à des feux actuels, là, et profitant finalement de ces feux actuels, on fait des suivis de la production des macro-restes carbonisés, comme vous le voyez, dans des peuplements hein, qui sont passés au feu. Et on constate en fait en faisant ce genre d'études que la plus forte production de fragments, elle est plutôt observée dans les forêts denses. Et puis que les plus gros fragments de charbon de bois, eh bien, ils proviennent d'arbres déjà morts, en fait, au passage du feu dans les peuplements. C'est une indication évidemment importante. Ce n'est pas finalement la végétation verte sur pied qui donne le plus d'éléments de combustion, mais c'est celle qui est déjà morte et probablement morte du passage d'un précédent feu. Voilà en ce qui concerne ces référentiels. Et on en voit ici quelques images de ces types de macro-restes que l'on peut retrouver dans des forêts conifériennes au passage des feux. Alors, on va continuer le zoom maintenant sur le Yellowstone, sur ce célèbre parc nord-américain. Il faut savoir que c'est le plus vieux hein, parc national des États-Unis. Il date quand même de 1872. Il est le plus vieux et aussi le plus grand. Il couvre 80 000 hectares. Hein. C'est l'équivalent de la surface de la Corse. Hein. Donc, c'est pas, voilà, c'est un grand parc qui comprend des réserves indiennes, mais aussi beaucoup d'habitants blancs, on va dire, et dans les villes, dans les zones rurales. Au total, à peu près 300 000 personnes habitent ces lieux. Donc, le Yellowstone, eh bien, il est célèbre pour ses activités géothermiques. Hein. On est dans une caldeira, là, hein, donc, et qui résulte de l'effondrement d'un super volcan. C'est une zone plutôt plate, mais qui est entourée de montagnes, hein, des montagnes qui vont jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. Il est célèbre, ce Yellowstone, pour toute sa biodiversité, hein, sa richesse aussi bien floristique que faunistique hein, également. Et puis, il est aussi célèbre pour ses feux. Hein. Il n'a pas été pris au hasard dans cette communication, évidemment. Dans Yellowstone, nous avons travaillé plus particulièrement sur un petit lac, le Blacktail Pond, ici, qui correspond à un petit lac à hauteur de à peu près 2 000 mètres d'altitude, entouré de steppes et de forêts conifériennes. On voit ici son environnement avec des steppes, bon, tout un ensemble de plantes caractéristiques des steppes du Yellowstone, mais aussi, vous voyez, des forêts conifériennes à base essentiellement de pins actuellement et donc plutôt situées sur la partie haute. À plus de 3 000 mètres d'altitude, on se trouve dans une toundra alpine. On a collecté les bois en provenance de ces différentes végétations pour nous faire aussi là des référentiels sur l'anatomie des bois qui pourraient être après retrouvés à l'état de charbon de bois dans les feux, dans les carottes de l'étude même de Blacktail Pond. Alors, vous voyez, ben là, ce n'est pas des éléphants, ce n'est pas des girafes, mais aussi, quand on travaille dans ce secteur, on est quand même entouré d'un monde animalier assez, assez intéressant. Les bisons, les célèbres bisons du Yellowstone, hein, ils sont là, mais aussi beaucoup d'oiseaux, dont des grues, là, ce sont les grues des sables. Et Sandy Crane, on les appelle, et voyez, bah, elle nous accompagne un peu dans nos travaux sur place. Alors, on a fait donc des carottages dans ce lac
Carottes de près de 3 mètres de profondeur. Hein, on n'est pas, voilà. Voilà les types de carottage des paléo-écologues. Hein, un petit clin d'œil au carottage, au forage de Sylvie, au passage. Donc 3 mètres de profondeur ici seulement, avec tout de même 6 unités lithologiques qui ont été détaillées. C'est plutôt de l'argile comme dépôt et c'est plus ou moins organique. Ces carottages, eh bien, après, ont été découpés. Et puis, de ces tranches de sédiments, on a extrait des pollens et aussi, on a extrait des charbons de bois. Donc, voilà les observations que l'on peut faire, les observations polliniques classiques au microscope optique. Et puis, les observations des charbons de bois qui ont été faites, en l'occurrence, plutôt à partir d'observations au microscope électronique pour voir reconnaître l'anatomie des bois. Alors voilà quelques exemples de ces restes de charbon de bois trouvés dans les carottes de Blacktail. Et grâce à l'exploitation de cette anatomie des bois, on est capable finalement de répondre à la question, en partie hein, bien évidemment, mais capable de répondre à la question finalement, quelle végétation a brûlé sur le secteur, sachant que plus les charbons sont gros, ben, plus ils sont d'origine locale et plus ils sont petits, eh bien, plus ils ont volé et peuvent provenir de quelques dizaines de kilomètres alentour. Alors, à partir de là, eh bien, voilà le résultat, par exemple, la réalisation d'un diagramme pollinique hein, qui provient donc de l'analyse des pollens sur le secteur. Donc là, vous avez l'âge de répertorié ici. Vous voyez, on a un enregistrement qui est à peu près 15 000 ans, hein, jusqu'à qu'on a arrêté ici à 7 000, hein, mais toute l'analyse a été faite, bien sûr. Et donc, on voit ici une succession de végétation qui va avec une succession de climats, avec un départ avec autour de 11 500. Alors BP, hein, pour les néophytes, BP, ça veut dire Before Present, hein, c'est 1950, en gros, c'est 11 500 ans avant nous, avec, voyez, des conditions climatiques fraîches, une faible activité de feu, plutôt une végétation de type toundra ici. Et puis, petit à petit, avec le réchauffement holocène, eh bien, on va passer dans un autre type de milieu, un milieu tout de suite plus forestier, avec des forêts d'épicéas qui vont aller évoluer de plus en plus vers des pinèdes, et puis une augmentation des feux. 11 500, 8 280, ben voilà, on a des étés plutôt chauds, une forte humidité qui va favoriser les pinèdes. Et puis au sommet, on a des conditions estivales un petit peu plus fraîches et sèches, là, vers 8 200, et un petit peu moins de développement des forêts à ce moment-là. Alors, intéressons-nous davantage maintenant à la dynamique des feux telle qu'elle a pu être reconstituée à partir des restes carbonisés qui étaient dans la carotte. Donc, au départ, 12 000, période encore un peu froide, eh bien, on n'a pas de feux notables, donc on a à très très peu de restes carbonisés. Et puis après, les valeurs de enfin pour charbon augmentent hein, après 12 000. De 12 000 à 10 500, on a une activité modérée. Avec à peu près ce qu'on a reconstitué, c'est à peu près 6 épisodes de feu par millénaire. On a deux pics de charbon majeurs, hein, 10 975 et 10 125 BP. Suite à cela, une activité légèrement de feu, légèrement en retrait, avec 5 épisodes par millénaire, pardon. Et puis une augmentation à nouveau du feu entre 9 000 et 7 500, pour terminer au sommet de ce diagramme avec une fréquence modérée de l'ordre de 6 épisodes par millénaire. Donc, et ce qu'on peut raconter de cette analyse
palynologique et plus généralement paléoécologique, je dirais que le feu a joué un rôle significatif dans la transformation du paysage autour de Blacktail, là, depuis un milieu forestier à un milieu plus ouvert, hein, durant l'Holocène moyen. Et parmi les charbons de bois qu'on a pu identifier, il est clair qu'il y a eu une participation de la steppe à la propagation des feux, hein. La steppe à petits ligneux comme l'armoise, etc., ont été mis à contribution dans la propagation des feux. Ce qu'on peut dire, c'est que le feu apparaît comme une composante naturelle du Yellowstone et que les reconstitutions de la végétation calibrée montrent que, bien qu'aucun incendie a véritablement transformé à long terme la composition de la végétation par le passé, des changements dans le régime des incendies, associés à une variabilité climatique, hein, ont conduit à une réorganisation spatiale de la végétation. Donc, le feu est un agent de transformation de cette végétation. Sur cette image, on a pointé à peu près ici moins 6 500, et c'est la période, les 6 500 dernières années là, où toutes les communautés modernes sont déjà, en termes de végétation, sont présentes au Yellowstone, et que l'Holocène, on peut discuter de l'Holocène récent, qui a connu alors plus d'incendies, hein, que n'importe quelle autre période. Donc, si on veut une base de référence, on se réfère à cette période-là des 6 500 dernières années pour voir la dynamique des feux. Là, on a reconstitué aussi la courbe des charbons de bois dans un contexte climatique. Ah oui, c'est pas le moment d'analyser. Voilà, dans un contexte climatique ici, avec l'activité du feu, mais aussi l'apport en neige et les chaleurs. L'insolation de janvier par rapport à l'insolation de juillet. Donc tout ceci est mis en parallèle pour comprendre la dynamique de ces feux sur les 15 000 dernières années. Alors, on pourrait dire que la végétation est initialement ouverte au sortir du Pléistocène, s'est transformée en forêt fermée au fur et à mesure que l'humidité augmentait. Et puis, vers 7 000 BP, on a vraiment assisté à la mise en place d'une pinède et une forêt qui est finalement. Enfin, un type de forêt qui est resté relativement inchangé depuis lors. On est dans un système, je dirais, de résilience, hein, du milieu forestier. On le voit, on voit cette petite boule dans sa cuvette là, qui va et vient, mais qui ne quitte pas sa cuvette là. Et cette stabilité de cette forêt de pins. Elle est due à finalement une faible variabilité climatique, hein. On est toujours à peu près dans le même type de climat, avec des températures qui oscillent au maximum de 2 degrés Celsius, qui sont vraiment dans les limites de tolérance des pins, et en particulier de Pinus contorta, qui est celui que l'on a essentiellement, enfin, qui est à la base des pinèdes actuelles. C'est aussi le fait, cette stabilité des substrats qui sont à base de rhyolite peu fertiles, hein, et bien drainés, qu'ont limité l'établissement d'autres conifères. Et puis, c'est le fait aussi que ce pin, le Pinus contorta, là, il a une grande résistance au feu, comme le prouvent les données sur les charbons de bois, hein, et qui, en fait, finalement, il s'acclimate bien, si je puis dire,
à la récurrence des feux. Il a même des cônes ces rétineux qui sont finalement qui vont s'ouvrir sous l'effet de la chaleur et qui vont libérer les graines pour la reproduction. C'est vraiment un arbre tout à fait indiqué. Alors par contre, si on devait reprendre le début de notre enregistrement là, ou sortir des temps glaciaires, eh bien, on est plutôt là dans quelque chose qui est déséquilibré, hein. Vous voyez cette bille qui bouge là et puis qui finalement dépasse les bordures de sa cuvette. Et là, on pourrait dire que ça, c'est le phénomène plutôt d'équilibre instable de la fin des steppes pléistocènes. À la période du tardiglaciaire. Donc, vous voyez, on a deux types là de progression finalement des écosystèmes dans la région. Alors, je voulais terminer cette présentation par un feu quand même exceptionnel dans le Yellowstone. C'est le feu de 1988. Là, on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année-là. Alors, cette année-là, en fait, c'est entre juillet et septembre-octobre, hein. Il y a eu un déclenchement de feu dans le Yellowstone, et puis la situation est allée en s'aggravant, hein, petit à petit, hein, vers on est même passé par une période qu'on a appelée le Black Saturday, là, où les conditions étaient vraiment catastrophiques, je dirais, du point de vue à la fois des écosystèmes, mais aussi des gens, hein, qui vivent dans le Yellowstone. Et puis le feu a stoppé de 88 a stoppé sa progression. Voyez, entre septembre et octobre, là, je devrais avoir les dates quelque part, mais peu importe. Voilà un peu le déroulé de ce feu-là. Il y a quand même eu 6 500 km² qui ont brûlé. Il y a eu 10 000 personnes qui ont participé à la lutte contre le feu, hein. Les Marines américaines sont même intervenues, hein, pour contenir le feu le plus possible. Ça a coûté la bagatelle somme de 120 millions de dollars américains, cette affaire-là. Donc on voit ici la dynamique des feux récents dans le Yellowstone, et on voit ce feu de 88, vous voyez, qui est vraiment particulièrement bien marqué par rapport à ce qui n'avait pas brûlé, en gros, entre 84 et 87, et ce qui a brûlé par la suite, parce que, comme je vous le disais, le Yellowstone continue de brûler toujours. Mais finalement, 30 ans après, moi c'est à peu près la période où je suis allé visiter le Yellowstone, où j'ai travaillé dessus. Vous voyez, 30 ans après, il reste encore, hein, des cicatrices importantes de ces feux, mais on voit finalement un petit peu partout une végétation qui redémarre, quoi, hein, qui se régénère, hein, avec des invasions, pardon, plus rapides de plantes, alors non indigènes, hein, dans les zones brûlées, les aussi dans les couloirs qui ont été dégagés par les incendies, hein. La forêt se replante par elle-même de façon naturelle. Donc, hein, il y a des graines qui lèvent et des arbres qui réapparaissent. La diversité botanique, elle est actuellement d'à peu près 1 350 espèces, hein, dans le Yellowstone. Donc, on a une belle diversité. On a une belle diversité animale aussi, hein. On a à peu près 500 animaux répertoriés dans le secteur. Vous voyez, même les grizzlies, finalement, ici, la flèche pointe le feu de 88. Eh bien, les grizzlies, les femelles grizzlies et leurs petits
Eh bien, finalement, ils ont connu depuis cette période-là, ça finalement assez peu impacté la population de ces ours-là. Et là, actuellement, ils sont en forte reproduction, les grizzlies en question. Voilà. Les touristes sont revenus. Hein. Les touristes, enfin, ils ont évité les lieux en 88, mais finalement, ils sont largement revenus pour photographier les fameux geysers, hein, du Yellowstone. Et on voit, voyez, que à une petite baisse des visiteurs en 88, mais après, évidemment, c'est allé toujours en accroissement. Donc, pour conclure, je dirais que les incendies récents dans le Yellowstone, aussi considérables qu'ils nous apparaissent, eh bien, finalement, quand on les croise avec les données paléoécologiques, eh bien, on se rend compte qu'ils sont le résultat attendu de la dynamique des écosystèmes. Hein. Et les données paléo-environnementales montrent que ces incendies, bah, ils font partie de la vie des écosystèmes du Yellowstone, et que ces écosystèmes, ils sont bien adaptés, voire même pour certains dépendants du feu. Alors, les projections futures montrent toutefois que des incendies pourraient dépasser la variabilité naturelle du système. Et dans un monde où le réchauffement climatique serait évidemment important, et que on pourrait avoir affaire cette fois-ci à des incendies sans précédent, hein, beaucoup plus grands, plus intenses, qui pourraient faire basculer les écosystèmes dans des nouveaux états. Et il y a d'ailleurs des travaux, Davis et al. Là, qui ont été publiés dans une étude du CNAS, qui montrent que certains sites dans les rocheuses, hein, donc dans ce secteur-là, ne connaissent pas actuellement de recrutement d'arbres après un incendie, parce que le climat est déjà trop sec, hein, finalement. Donc c'est un petit peu le basculement auquel on peut peut-être s'attendre avec le changement climatique, finalement, et la multiplication des incendies et leur importance. Donc, les données qu'on a pu acquérir, nous, sur le Blacktail, là, indiquent que des étés plus chauds que ceux d'aujourd'hui, que l'humidité apportée par l'accumulation de la neige l'hiver a toujours soutenu une forêt fermée, que la comparaison avec d'autres enregistrements paléoécologiques de la région, hein, dans les Rocheuses, suggère que ces montagnes ont connu des conditions estivales chaudes au début de l'Holocène, et que les archives paléoécologiques du Yellowstone fournissent des preuves d'un changement de la végétation facilité par le feu, mais suite à des conditions de réchauffement pendant la transition entre la période glaciaire et le début de l'Holocène, et que la combinaison des facteurs de changement de végétation dans le passé suggère que le feu peut amplifier les effets de ce réchauffement futur sur le changement de végétation. Voilà, je vous laisse sur l'entrée nord du parc du Yellowstone, hein, où on peut lire For the benefit and enjoyment of the people. Voilà, c'est un parc pour découvrir et se faire plaisir. Encore, je vous remercie.